Nous suivons Christine dans son expédition de recherche. Et là, on a une fenêtre bois. Sur... Le montant de bois un peu incliné. Là, tu as une fenêtre toute la longueur. Mais c'est pas mal si on prend des planches... Alors regarde, c'est pas mal si on prend des planches comme ça, plus fines, pour les mettre à plat. Parce que ça fera des rebords de fenêtre aussi. On va pouvoir poser des... On va avoir... Il y a quoi? Ça dépasse. Ah oui, pardon. Là. Hein? Non, travaille. Ça fait un quart d'heure qu'elle la met en place, il faut te la piquer. C'est pas vrai. Non. Comme ça? Ah, mais c'est qu'en même temps. Mais ça. Elle est pas très droite. Je veux que ça tienne. Elle est un peu courbée. Mais une fois ça. Non, mais c'est que j'ai réfléchi. Ça te fait rire, hein? Bonjour Mathieu. Non, c'est... J'arrache tout. Alors, qu'est-ce que tu penses du jardin de Véride? C'est pas mal. Mais j'avoue que j'aimerais bien laisser la nature faire les choses. Pourquoi a-t-elle besoin de nous? Non! Nous sommes dépendants d'elle. Il faut la laisser courir, vivre de ses propres ailes. C'est pas faux. Ça se fume pas la consoude. Il a trop humé la consoude. Elle a trop humé la consoude? Bah, je crois que c'est ça. Ah, c'était ça! C'est ça. C'est trop fort la nature, t'as pas l'habitude. Ah là là. Bon, et toi Katia, ça va? Moi je sépare les petites plantes amies, des petites plantes un peu envahissantes, comme celle-ci, j'en ferai bien des bouquets, mais c'est un port pas très majestueux, donc celle-là je l'écarte alors que celle-là je la préserve. Isé. En fait, comme c'est un tir au flanc, il a pris le courageux de l'homme. Parfait. Comme je suis un tir au flanc. Hein? Je suis un tir au flanc. Tu vas faire la cuisine, c'est comme ça? Ouais, c'est ça. Je suis plus doué pour faire la cuisine. Tu vas planter les fraisiers, j'adore ça. En pleine action, Théo. Attention, plein grelinage. Essayez la greline. Yes. Il y a un petit essaimage là tout à l'heure? Ouais. 13%, on va faire une petite pause. D'accord. Là, on vient de reprendre. Ça va toujours, Katia? Eh bien, tu remarqueras que nous avons une équipe de choc maintenant. Mais ça dépote, hein. Et que, à présent, nous avons fait le tout massif là, en mettant quelques... Nous avons mis du géranium et des oreilles de lapin, de la tanaisie, et maintenant nous allons nous attaquer aux fraisiers. D'accord. Voilà, et Grégoire est en train de débroussailler pour y mettre des siciruncus, pour nous faire une jolie petite allée toute jaune. Ok. Et bah dis donc, ça a bien avancé. Ouais, j'ai l'impression que ça va être chaud tout le temps de le tout. Bonjour Anne-Laure. Salut. Comment ça se passe? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de tendre la bâche. D'accord. On a fait les bardages. On vient leur tirer par là. Pas mal. Alors Nico, vous avez fait tout ça ce matin? Eh ouais. On est des costauds. Hein. Des costauds, hein. Ça c'est le cas de vous dire. Je suis
suis pas tout seul, il y a un collectif d'infos là. Je peux te dire que si elle était pas là, on serait vraiment dans la merde. Ah ouais? Comment s'appelle-t-elle? Pauline. Pauline. Ça se passe bien? Ouais, très bien, ouais. La pêche. Conseil de guerre. Eh ben, c'est magnifique à l'intérieur. Hein. Ok. Très beau travail. Comment fait? Le problème, c'est pas top, ça tend pas très bien. On va remettre un renfort ici à la fin. Ah non, mais non, je pense pas, vous allez venir tout à l'heure. Démontage de palettes. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, je suis pas sûr que ce soit très glorieux de finir à ce moment-là. Oh, t'inquiète pas, je referai un passage. Parce que je n'arrive pas à choper ce clou. Essayez de mettre un coup. Ouais, je vais m'y arriver, je pense. À toutes. Non, c'est pas à moi. Serge Gérard. C'est pas le fou, hein. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu penses du jardin de Vérine? Ça sent bon le poireau? Ça manque un petit peu d'aromate. Ah, les recettes de petit Mathieu. Tu veux pas aller me chercher un petit peu de romarin? Du romarin? Il n'y en a pas ici du romarin. Ah si, on peut en chercher tout à l'heure. Et du thé? Tu veux du thé? On a mis du thé. Tu veux du thé citronné ou du thé thé? Du TNT ou du TNT citronné? Citronné. Citronné? C'est sûr. Hein. C'est possible. Tu veux de la menthe? Je trouve que ça manque un petit peu de... Ça manque de relevation. C'est voir la coloration. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Hein. Regarde-moi ça. Alors, Ginette, qu'est-ce que tu nous prépares ce matin? Des petites fondues de poireaux bien aromatisées. Oh là là, il y a de la buée sur l'objectif. Un petit peu de gingembre pour mettre ma poêle. C'est formidable. Bien. Maintenant, que dit Jean-Pierre Coffe?